Fuck Bé-lé-ni-ni. Awa. Ya. Tu es en forme ce matin? Ouais, je suis toujours en forme. toujours pimpant. Ouais. Ça tombe bien, je voulais partager un petit truc là avec toi. Ça m'intrigue un peu, ça me dérange là. Car tu sais qu'il y a des gars qui souffrent ici dehors, tu vois, non? Non, c'est des filles qui souffrent ici dehors, je te dis. Franchement. Et il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux là. Hein? Les WhatsApp, Facebook là. Les filles se cherchent là-dedans, les garçons se cherchent aussi. Et généralement, quand les deux arrivent à prendre contact, les gars causent, il y a le nolo, il y a tout ce qu'il faut, tu vois, non? Hein? La distance, là, l'autre distance, là, à travers les trucs, là, c'est bien à côté, tu vois. Les gars prennent rendez-vous. La fille dit, je peux venir, le gars dit, viens. Le gars dit, est-ce que tu peux venir? La fille dit, viens, tu lui envoies l'argent. Après, maintenant, elle ne vient pas. Son numéro disparaît, même sur WhatsApp, tu ne la vois plus. Tout ça à cause de 5 000 ou de 10 000 francs. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis et direct? Parce que je ne comprends pas ce que vous voulez me dire depuis là. Voilà, il est en train de dire que hein, moi, au lieu d'aller chercher l'amour loin, comme les autres font souvent là, moi j'ai trouvé que c'est mieux de chercher là à côté de soi. Parfois, ce qu'on cherche très loin, souvent là à côté. Tu vois un peu, non? Jusque là, je ne comprends pas. Ok. Le problème, c'est que hein, chaque matin, quand tu me bengues le derrière là, c'est pourquoi? Je suis intelligent, j'ai vu, j'ai compris. Attendez un peu. Donc, quand mon père est venu prendre la maison aussi, il vous a dit qu'il venait vous donner une femme en mariage? Non. Et d'où vous vient cette idée de bonheur, machin et autres? Franchement, je t'aime, je te yamme. Et j'ai souvent envie de venir t'aider à garder la maison la nuit, écoute, comme ton père n'est jamais là. Écoutez, c'est vrai, je vous aime bien, mais je vous aime comme un grand frère. Parce que, en tant que bailleur, vous êtes gentil, en tant que boutiquier, vous êtes compréhensif. En tant que voisin, vous êtes aussi attentionné. Mais en réalité, il ne peut rien y avoir de compliqué entre vous et moi. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas mon genre d'homme. Vous n'êtes pas mon genre d'homme. Vous n'êtes pas excitant. Vous n'êtes pas... Vous manquez de charisme. Vous manquez d'élégance. Donc, il ne peut rien avoir entre nous deux. Ok, d'accord. Finalement, tu dis alors quoi? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce français simple et facile que je suis en train de parler? Je ne peux pas sortir avec toi. Donc, je ne peux pas voir ta sœur nue et ça ne te dit rien. Quelle sœur? Nous sommes sœurs depuis quand? On est dans la même église. On passe au marché ensemble. Tu me confonds. Hein? Tu fuis ça pourquoi? Ok. Pardonnez mon mauvais comportement ou alors mes gestes. Sincèrement, excusez-moi. Ok, ça. Non, comment des excuses, comment? Je ne peux pas accepter ça. Mais si vite, mais tu sais ce que je veux, oui, Mito Maï. Accorde-moi ça, c'était bon et puis c'est simple. Hein? Tu pars? Hein, Stéphanie? Stéphanie, tu pars? Viens alors, je recommence ça en genre. Tu. Guatemala. Quoi, Beza? C'est pas la fille de ton voisin ici. C'est elle. Bonjour. C'est le garçon qui. Le petit garçon, c'est qui chez ça? Quoi, c'est lui-ci?
Après, une petite garçon ne peut pas sortir avec elle. Sûrement, c'est son cousin. Et son gars, comment moi, j'ai posé ma candidature là-bas ce matin. Quand tu vois le gars, c'est le gars qui a mon charisme. Donc, parce que c'est son cousin qu'elle doit se balader sans soutien-gorge. Comment toi, tu as su qu'elle n'avait pas de soutien-gorge? Toi, tu vois toujours ce que les autres ne voient pas. Pido. Quoi? Je demande, tu l'as dragué depuis ou bien tu l'aimais depuis? Je l'aimais depuis. J'ai dragué ce matin, elle a refusé, ça te va? Toi, tu crois que quelle femme peut même d'abord t'accepter? Toi, tu as quelle femme? On t'a vu avec quelle femme ici au quartier? Ma femme a Mbeng. C'est ça même. Moi, je ne fais pas les inter-quartiers. Merci beaucoup, Mbeng, qui est dans ta tête. Zéro femme à ton activité. Je demandais que quand tu l'as dragué le matin, elle t'a donné son numéro de téléphone. Non, elle n'a pas donné son numéro de téléphone. Tu voulais ça? Bien, tu veux y aussi graguer. Tu veux y aussi graguer. Donc, tu causes avec qui? Bien, tu cherches y aussi à graguer en solo. Toi, tu es malhonnête avec tout. Normalement, je me dis que Dieu a mal fait la répartition des biens sur la terre ici. Normalement, ce n'est pas toi qui devais avoir la boutique ici. Ah, c'est toi qui devais avoir la boutique. Je t'attends dans 5 minutes ou bien dans une heure ou demain. Tu vas venir demander. Quoi? Je demande que par rapport à ce qu'il dit sur la boutique, c'est quand même vrai. Parce que ta boutique est en train de chuter. Elle n'est plus pleine comme elle était pleine avant. Ah, tu insinues que quoi? Tu veux dire que quoi? Que c'est à cause des femmes. Que ça tombe. Les gens les plus endettés sur mon cahier là-bas, c'est qui? C'est pas vous deux. Depuis que tu as mangé la tontine là, depuis on attend, tu ne bouffes rien. Tu crois que je ne te connais pas? Ce n'est pas parce que tu as mis deux casiers de biens ici que tu vas nous parler fort. N'oublie pas que nous sommes ensemble tous les jours. Ah oui, c'est ça. Je vois la soif au fond de tes yeux. La gorge, ça gratte déjà parce que tu veux mettre une bière. C'est zéro dette. C'est fini. Ce que moi, je voulais seulement te dire, c'est que reste seulement calme. Il reste calme. Pourquoi? Je vais te rembourser. Tu vas me rembourser en quelle année? Il n'y a plus de dette. Ta vie ne cherche même pas à me casser la tête avec ça. Quoi? Tu m'appelles pourquoi? Je suis déjà là. Tu es déjà là et puis quoi? C'est par rapport à quoi? Le riz là, non? Ah, c'est passé, ne dérange pas les gens. Je suis en train de vous dire, vous deux là, personne ne va m'agresser, je vous préviens, je suis en train de vous dire. Ici c'est mon bureau. On vous a toujours là parce que vous voulez m'appuyer. Coco. Non, je ne veux pas. C'est quoi? Qui est-ce là? C'est moi. Pardon grand, je voulais un service. Quel genre de service? Le cousin est déjà sans caleçon. Le cousin est ta voisine. Tu veux quoi? Pardon, je voulais un truc ici là chez toi, mais c'est personnel. C'est-à-dire, tu as vu une femme ici là, c'est entre nous les hommes, parle! Fiso, tu t'es écrit de son cousin. Waouh, autre problème là-dedans. Ouais, si tu n'as pas envie de donner le nom de ce que tu veux, tu parles, moi je parle de ta pègre. Il dit que c'est personnel. Qu'est-ce qui est personnel là? Il n'a pas de nom. C'est le préservatif, grand. Je voulais le préservatif. Il veut faire. C'est clair, il veut faire. Mouf! Hein? Il veut faire, où est ton problème là-dedans? Il n'y a pas de préservatif. Il n'y a rien. Il voit ça là-bas, gars. Tu as vu quoi là-bas? Ça, c'est l'ornement. Il n'y a rien là-dedans. C'est l'ornement. C'est là pour orner. Juste pour faire comprendre aux gens qu'il faut se protéger. Hein? Les gens qui veulent faire l'amour avec les femmes des gens. Tu vois que tu comprends ça? Hein? Ceux qui veulent faire l'amour avec les femmes des gens là. Et je ne vends pas de préservatif. Tout ce qui est là-dedans est périmé. Je ne vends pas. Il n'y en a pas. Je ne vends pas. Grand, tu vois la petite avec laquelle tu passes là? Elle a dit que s'il n'y a pas le prison, non, gars, il veut rien, mec, à bec, il veut mec, à bec. C'est ta pitié. C'est ma go, grand, c'est ma go. Et tu nous racontes c'est ça pourquoi? Tu t'es demandé quoi? C'est sa go, et puis où est mon problème là-dedans? Hein? Toi, tu veux tout comprendre quoi là-dedans? Pourquoi tu aimes comme ça? Mon petit. Oui, grand. Tu sais quoi? On ne peut pas te priver de ton plaisir. Prends ça. Ah, vas-y, tu fais quoi? Je lui donne le préservatif. Remets ça! Remets ça! Donc toi tu viens ici là, moi je t'aide moi à ma boutique et c'est toi qui es encore le premier à m'écraser, n'est-ce pas? Piso, laisse, ça. Laisse. Je laisse quoi? Hein? Laisse. Bon, tu viens même bang. Tu es même bang dans ma boutique, non? Ouais, alors maintenant. Comment? Il me bang là, tu ne vois pas.
Là, tu ne vois pas, il donne le préservatif. Pourquoi il dit que je n'ai pas de préservatif? Et maintenant, là, les mifas, donne-moi 8 cents, tu veux servir 200. Comme toi, si tu veux, il y a un bang à ton tour. Moi, si je te bang maintenant, donne-moi le. Voilà, Babadi. Babadi, ouais, donne-moi 8 cents, tu veux servir 200. Tu vas me bang, non? Tu vas me bang, non? Non, ne fais pas alors que je te bang un coup de poing là maintenant. Donne-moi 8 cents. Ah, tu vas partir. Tu n'as pas de bureau ici. Où belle qui bureau, ha? Où belle qui? Tu me bang dans ta boutique. Wawanga. Tu m'en vends dans ta boutique. Ou belle qui bureau, fâche toi. Maïkin m'en bang ou Maïkin. Fouloukang, je te bang. Arigou. Il a pris quelle direction? Arigou est parti où? Hein? Il est parti où? Je veux le riz. Pardon. Oh, Baya chérie, ne fermez pas, s'il vous plaît, ne fermez pas. En fait, je suis venue vous demander de l'aide là. Comme on a lu la tomate à la maison, je voulais seulement que vous me donniez 2 œufs. Je dois faire manger à mon petit ami avant qu'il ne rentre. Je vais vous donner l'argent demain quand papa va envoyer l'argent. C'est ça, maintenant tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Yeah! Je t'ai parlé ici le matin, tu me dis que oh, tu me vois comme ton frère, il n'y a pas d'amour entre nous, je ne suis pas charismatique, oh, ça ne peut pas donner, jusqu'à tu dis même que nous sommes sœurs, alors que moi je suis un homme. Tu me demandes le charisme, toi tu passes avec les curés devant moi. J'espère que quand tu étais en train de l'embrasser, après avoir embrassé, tu prenais le petit marteau, tu tapes, boc, pour que ces dents-là ne sautent pas. C'est ça, oh yes! Tu vas y avoir fait mal ici. Tu vas y avoir fait mal ici. Non, parce que je vous entendais. Le un seul préservatif qu'il a pris chez Babadi, le Craig. Depuis que vous êtes entré là, le gars là, il fait ça comment? Il est résistant à quel niveau comme ça? Vous faites ça comment? Vous finissez de faire, vous lavez, vous séchez. Après, vous refaites encore. Vous lavez encore, vous séchez. Et qui est un seul préservatif? Et qui est ma fille? Un gars comme ça là, il n'a même pas l'argent. Il est zéro. Il n'a rien. Même pas 5 francs. Il vient t'épuiser comme ça pour que toi, tu vas venir me demander mes œufs. Mes œufs, je lui donne mes œufs. Quand quelqu'un aime, il ne peut pas faire 5 minutes sur sa femme. Il ne peut pas faire 5 minutes, il sait qu'elle doit se reposer. Et dès que tu fais un petit truc, tu laisses parce que c'est de l'amour. Lui, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est seulement là pour cogner. Akbok. Il te cogne et toi, tu es seulement là aussi. Hé, ma chérie, tu sais un truc. Va lui faire frire ses 2 noyaux et manger ça. Il n'oublie pas d'écraser le piment, les condiments et tout. Comme il a transpiré, il doit récupérer. Découpe, tu n'as pas besoin d'écraser. Parce qu'il a ça, il a ça, il marche. Va lui faire frire ses 2 gros noyaux. Et vous dites donc quoi finalement? Je dis quoi en conclusion? Tu ne comprends pas quoi dans le français facile que je te dis là? Va lui faire frire ses 2 gros roubignoles, c'est beau, ses 2 gros noyaux. Tu mets beaucoup de condiments et de piments, tu lui donnes, il mange ça. Merci beaucoup.